Oui, je pense que c'est vraiment important de définir parce que la méditation s'est répandue, en tout cas dans le discours ici en Occident et dans les pratiques, mais en même temps, c'est un certain type de méditation qui s'est répandue, à savoir ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience ou en pleine conscience, qui en anglais ça s'intitule la mindfulness. Et pour moi, c'est une partie réduite de la méditation. Et donc, la mindfulness, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est plein de mind. Et mind, en français, c'est, on traduit ça par l'esprit. Je ne trouve pas que c'est la juste traduction, parce que ça serait spirit, l'esprit. Mind, c'est le mental. La méditation de mindfulness, on l'a appelée de pleine conscience, mais en fait, c'est de plein mental. Bizarre, puisque la méditation est censée apaiser le mental. Vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet? Eh bien, rejoignez-nous gratuitement du 12 au 19 mars prochain dans le premier sommet des trans et des médecines psychédéliques francophones. Ça se fait en ligne et il y a plus de 25 experts internationaux qui vont aborder cette thématique. On vous attend.